Salam alaikum, dans cette vidéo, on va faire l'exercice. On considère les deux ensembles. Ensemble A, il y a l'ensemble des nombres, les titres que tu vois jusqu'à Z, avec A appartient à Z. En ensemble B, il y a l'ensemble des nombres, les titres que tu vois avec A' appartient à Z. Montrer que A inter B égale l'ensemble vide et que B inter N, N n'est pas différent de l'ensemble vide, N n'est pas vide. Là, on va supposer par l'absurde que A inter B est différent de l'ensemble vide. Supposons par l'absurde que A inter P est différent de l'ensemble vide. Donc, il existe un élément qui appartient à A inter P. L'élément donc appartient à A et appartient à B. Appartient à A, donc c'est écrit à la majuscule. Ou appartient à B, donc c'est écrit à la majuscule. Alors, il existe K prime appartient à Z carré tel que X égale jusqu'à Z et le 1 à la 4 égale 5K prime plus 4 sur 3. On a le cas de contradiction, on a la légalité. Donc, 3 jusqu'à Z et 1. تعطينا هي 6 ك زائد 3 و 4 غادي نضربها في 5 ك بريم زائد 4 عطينا 20 ك بريم بلس 16 الوغ 6 ك او موان 20 ك بريم هي 16 موان 3 هي 13 دونك هاو بانت لينا لا كونتراديكسيون هذا ان بار وهذا بار لأن هذا بير وهذا بير غادي نقسم على جوج دونك 3K موان 10K بريم إيكال 13 سور 2 سو كي أبسورد كار 13 سور 2 نابارتيان با زد وهذا أبارتيان زد لأن 3K أبارتيان زد و 10K prime appartient à Z. Ce qui est absurde car 13 sur 2 n'appartient pas à Z. D'où, l'afterload n'a pas l'absurde, on a A inter B égale l'ensemble vide, on crée une contradiction. Contradiction, il y a dit, les N a tâche à la juge n'appartient pas à Z, on a créé un A appartient à Z. D'où, A inter B égale l'ensemble vide. La question B. B inter N, augmentons que B inter N n'est pas vide. Et nous avons l'élément qui appartient à N et qui appartient à B. Et nous avons un entier qui appartient à B. Et nous avons l'élément qui appartient à N. Et nous avons l'élément qui appartient à N. Nous avons l'élément qui appartient à N. Et nous avons l'élément qui donc 3 appartient à B. Donc tu vois, on a 3 appartient à B car 3 égale 3, 5 fois 1 plus 4. Et bien sûr, 3 appartient à N. Donc, B inter N est différent de l'ensemble vide. Et nous avons à l'aqal l'élément qui appartient à l'intersection. Les voies 3, 3 appartient à N, 3 appartient à B. Et dans le cas, il y a une vidéo qui est